Hey guys, this dance is called Nome It's choreographed by Ira Weisberg and also by Raymond Sarlemind. It's a 32 count, 4 wall, beginner level line dance. So there's no tags in this dance, and on this version of the music, there's only one restart on wall 3 after 8 counts. If you have the other version of the music, on wall 7, there's a 4 counts pause. And you start the dance again. Okay, so let's start with section one. We start with the right foot and we do two cross mambos. So cross, recover side, cross, recover side. Then you do two back mambos. So back, recover side, and back, recover side. So let's do section one with the cats seven, eight, one, and two, three, and four. Five and six, seven and eight. Section two, you do a forward lock step starting with the right foot, so step, lock, step. Then you go forward with the left and you do a quarter right turn pivot, so forward, recover on the right, quarter turn to the right. And you go forward with the left, cr slightly crossing over the right. Then you do side mambos, so side, recover together, side, recover together. So let's do section one and section two with the cats. Seven, eight, one and two, three and four, five and six, seven and eight. Lock step one and two, three and four, five and six, seven and eight. Section three, we're facing three o'clock. It will be easier for you guys if I do it facing twelve o'clock. So you go sideways with the right foot so side together with the left chassis to the right three and four and you do two back mambos so back recover slightly side back recover slightly side section four it's the same steps starting with the left foot as section three so one two chassis three and four back mambos five and six seven and eight and then you start the dance from the top section one, so cross mambo's. So let's do the four sections with the cats. Section three and section four. When you do wall one, you will be facing three o'clock. Okay. Seven, eight, one and two, three and four, five and six, seven and eight. Lock step one and two, three and four, five and six, seven and eight, one, two, three and four.

Three and four, five and six, seven and 8, eight, one, two, three and four, five and six, seven and eight, and you start section one on wall three. But on wall three, after eight counts, there's a restart. So let's do it together seven, eight, one and two, three and four, five and six, seven and eight, and you do the restart. So you start from the top, okay? So, if you have the other version of the music on the wall 7 facing 6 o'clock again, there will, be, there will be a pause of 4 counts at the end of the dance. So it's 1, 2, section 4, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8, 1, 2, 3, 4, and then you start the dance again. Okay. So for the ending, you do section 1 facing 12 o'clock. So 1 and 2. Three and four, five and six, seven and eight. And you bring the right foot together and I put my arms each side. But it's a very personal way to end it. Okay, so let's do my ending. Seven, eight, one and two, three and four, five and six, seven and eight, nine. So there's an option you can do in section one, a different way of doing section one. So instead of doing the cross mambo's. And the back mambos, you can do cross samba. So one and two, three and four, and back sailor step five and six, seven and eight. So it's an option for section one. You can do it this way also. Okay? So I hope you enjoyed learning this dance with me. So take care and be safe. Bonjour tout le monde, Stéphane Beauchamp, j'espère que vous allez bien. On fait une danse qui s'appelle Nomelieva. Lieva. C'est une chorégraphie de Ira Weisberg et aussi de Raymond Sarlamid. C'est une danse qui a 32 temps qu'on fait sur quatre murs de niveau débutant. Alors, il n'y a pas de tag, par contre, il y a un restart sur le troisième mur. On fait les huit premiers temps et on fait un restart avec cette musique-là. Si vous avez une musique qui est un petit peu différente, sur le septième mur, il y a quatre temps de silence et on reprend la danse mais sur cette musique-là cette version-là il y a seulement un restart sur le troisième mur après huit temps on commence avec première partie on débute avec le pied droit et on fait des cross mambo donc on croise en avant sur place côté même chose pied gauche croise en avant sur place côté et on fait des cinquièmes de mambo donc en arrière sur place côté en arrière sur place Côté, ce qu'on appelle des back mambo en anglais. Donc, si on fait la première partie avec les comptes, 7, 8, ça fait 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Deuxième partie, on fait un lock step en avançant, en débutant avec pied droit. En avant, croisé en avant. Ici, on avance le pied gauche et on va pivoter un quart de tour à droite. En avant, sur place. Ici, on avance le pied gauche en croisant légèrement en avant du pied droit. Et on fait des arrêts cubains de chaque côté, des pas de mambo de chaque côté, pied droit, 5 et 6. À gauche, 7 et 8. Alors, si on reprend les deux premières parties, 7, 8, ça fait 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8, lock step 1 et 2 quarts de tour, 3 et 8. 4 mambos de chaque côté, 6, 7 et 8. Troisième partie, on va la faire face au mur avant. Ça va être plus facile pour vous. On va de côté ensemble. On fait 1, 2, chassé de côté, 3 et 4. Et on fait des mambos en arrière, ce qui ressemble à des cinquièmes ici. Là. Donc 5 et légèrement de côté 6, 7 et légèrement de côté 8. On fait le même principe pour la quatrième partie, mais en débutant avec pied gauche. Donc, 1, 2, chassé à gauche, 3 et 4, même en bon arrière des cinquièmes, 5 cinq et 6, 7 et 8. Et on reprend du début. Alors, donc, quand on fait la troisième partie la quatrième partie, quand on fait le premier mur, on est face au mur de droite à trois ans. Alors, on va essayer ensemble toutes les parties. 7, 8. Ça fait 1 et 2, 3 et 4 en arrière. 5 et 6, 7 et log step. 1 et deux quarts de tour. 3 et et quatre mambo, cinq et six, sept et huit de côté. Un, deux chassé trois et quatre en arrière. Cinq et six, sept et huit. On va à gauche. Un, deux chassé trois et quatre en arrière. Cinq et six, sept et huit. Et on reprend du début sur le deuxième mur. Alors, on va faire le deuxième mur ensemble. 7, 8, 1 et 2, 3 et 4 en arrière. 5 et 6, 7, 8, lock step, 1 et 2, 3 et 4, mambo, 5 et 6, 7 et 8, 1, 2 chassé, 3 et 4 en arrière, 5 et 6, 7 et 8 à gauche, 1, 2 chassé, 3 et 4 en arrière, 5 et 6, 7 et 8. On est rendu au troisième mur et c'est rendu justement au troisième mur. On fait les huit premiers temps de la danse et on fait un restart, donc on fait 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Et on fait un restart. On repart du début. La même première partie, les mêmes 8 temps finalement. Alors, comme je disais, si vous avez la musique qui est différente, sur le septième mur, on va arriver à la fin de la quatrième partie. Donc, la quatrième partie. 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Il y a 4 temps de silence. 1, 2, 3. Et on fait un restart, on repart la danse du début. Mais sur cette version-là, on ne fait pas dans le fond le 4 le temps de silence. Okay? Alors, pour la finale, on est sur le mur avant, on fait la première partie, donc 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8, 9. Je mets les pieds ensemble et je mets les mains de chaque côté. Mais encore une fois, c'est une finale personnelle. Alors, si on refait la finale, 1 et 2. 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8, 9. Alors, merci beaucoup et bonne danse!